Vous êtes bien sur la fréquence Indie-Euroliste. Connexion au serveur sécurisé en cours. Voici notre deuxième scénario de Spy Game, notre jeu d'espionnage contemporain. Il est temps pour Arthur Desnieux de reprendre du service. Après le succès mitigé de sa première assignation, le jeune agent de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure va se voir confier une mission digne d'un agent de la Division Opération. Alors, enfilez vos lunettes noires et remontez le col de votre impair, il est temps de passer en mode espion. Alors, avant de commencer l'histoire, tu vas me parler un peu d'Arthur Desnieux. Donc, tu vois, la dernière fois, on a parlé de ses antécédents. Est-ce qu'on l'a défini où c'est qu'il était né ? Toulon. Toulon ? Ouais, d'accord. Tout à fait. Quel type de nourriture il préfère ? Bonne question. Bah, je vais dire que comme il était à Toulon et qu'il y avait un lien avec le maritime pour ses parents et ça, on va dire qu'il était très stéréotypé. Donc, tous les produits de la mer. Il aime d'accord. bien tout ce qui est simple avec une cuisine plutôt méditerranéenne. De la mer. Excellent. Cinéma ou sport ? Ouais, cinéma. Ok. Est-ce que des problèmes dans sa jeunesse, que ce soit en termes d'école ou fréquentation ou quelque chose comme ça, ou quelque chose d'assez standard ? Il a été, entre guillemets, plutôt standard, mais il faisait partie des... Alors, je dirais pas forcément. En fait, l'idée que j'ai, c'est par rapport à son histoire de logistique et tout ça, c'était que dès le lycée, ça avait commencé à faire un peu. Alors, le terme trafic, ça serait pas ça, parce que c'était pas forcément un truc illégal, mais c'était. Ou Guy les Bontuyaux, tu vois. Peut-être pas illicite, mais illégal, ouais. Pas forcément, ouais. Peut-être, ou en tout cas, c'était surtout mettre des gens en relation pour qu'il se passe des échanges, des trucs comme ça. Donc il a dû se faire des fois attraper par les pions, parce que c'était pas, voilà. Mais rien qui a été. Tu vois, ça s'est arrêté à des avertissements ou quelques heures de colle, mais tu vois, rien de plus, quoi. Ok. Est-ce qu'il a fait des petits boulots avant de devenir... Oui, bien sûr. Saisonnier, quoi. Saisonnier. Donc, qu'est-ce qu'il a fait comme type de saisonnier ? Il a aidé dans les... mince, comment ça s'appelle ? La capitainerie. À remplir des documents, faire des trucs de jeter des papiers, des fois aller aider à bricoler, des trucs, quoi. Tout ce qu'il pouvait faire voilà, pour aider, pour avoir un petit peu d'argent de poche ou autre. Donc... C'est clair qu'il l'a fait dès qu'il a pu pour les saisons. Et après, avec son BTS, autre, il a fait ça avec des... il a essayé d'avoir des... comme ce qu'il a conduit là, dans la petite entreprise qui était un peu frauduleuse, donc d'avoir des petits boulots. Ouais. Ok. Très bien. Très intéressant. Un mois a passé depuis que Arthur a fait sa première enquête, sa fameuse enquête d'entourage sur Marie-Evelyne Larue. Et qu'il a remis son rapport. Qu'est-ce que tu as fait pendant ce mois ? Je veux dire, à ton avis, quel type de travail on t'a donné ? À quoi tu t'es intéressé, etc., etc., dans ce nouveau boulot ? Bonne question. J'aurais tendance à dire que ce que tu m'as proposé la première fois, c'est un peu peut-être le travail de base de la DGSI, c'est de se faire... de collecter du renseignement. Donc je dirais que quand t'as un nouvel employé et tout ça, pour bien prendre le rythme et avoir les bons réflexes d'aller, par exemple, dans les... demander toujours est-ce qu'il y a des cahiers judiciaires, est-ce qu'il y a tel truc, enfin tous ces bons réflexes, je pense que je vais peut-être taper quelques autres en quête d'entourage pour avoir une bonne... Mais pas forcément sans... Enfin, cette fois, juste à distance, sans avoir besoin d'aller se déplacer, quoi. Donc je pense, voilà, en un mois, j'ai dû faire peut-être deux autres enquêtes d'entourage, quoi. Disons que, est-ce que tu penses que ça te conviendrait que tu en aies fait une et ensuite c'était des vacances ? Peu importe, des vacances de fin d'année ou quelque chose comme ça ? Oui, ça me va, j'ai pas d'a priori, oui. Ce qui t'a permis de soit rentrer chez toi, soit rester chez toi et faire ce que tu veux, ou je dis rentrer chez toi dans le sens où aller visiter la famille, aller voyager ou faire des choses pour toi-même. Ça me va. Et donc c'est au retour des vacances que ton supérieur hiérarchique préféré, le lieutenant Léopold Baguette, te convoque un matin pour ta nouvelle assignation. Alors que tu rentres dans le bureau, il te fait un sourire très chaleureux, un sourire que tu as appris à apprécier. Alors il faut savoir que
Ce personnage est vraiment très atypique. On dirait qu'il vient d'un autre temps, d'un temps ancien, dans son maniérisme, sa façon de parler. D'ailleurs, c'est probablement le seul lieutenant qui vous voit ses employés, que tu as remarqué. Mais même en général, tu vois qu'il est vraiment différent des autres. Différent dans la façon de parler, différent dans la façon de se comporter. Mais il a toujours cet air magnanime et comme une sorte de père de famille envers une grande fratrie, si tu veux. Une grande sororité, ou les deux. Et donc, quand tu rentres dans le bureau, tu retrouves cette espèce de sourire bénévolant, ce sourire de bonne intention. Et tu dis « Ah, Arthur !» Venez vous asseoir, j'ai votre nouvelle assignation. Avez-vous déjà fait de la vente dans votre jeunesse? Du boulot de vente? Pas exactement, mais... Ok, ça veut dire quoi pas exactement? Ça veut dire oui ou ça veut dire non? Plutôt non. Mais vous avez une idée de ce que c'est? Oui, bien sûr. J'ai travaillé dans des entreprises où il y avait un service vente et... On vendait du transport et des activités de transport, donc oui, je sais ce que c'est la vente. D'accord. Est-ce que vous êtes confortable ou... Ça dépend, je vais devoir vendre quoi. ça, vous allez le prendre très rapidement. Une petite formation, peut-être nécessaire, un petit rappel? Oui, bien sûr, ouais, tout à fait. Ouais. De 3 jours? Oui, très bien. D'accord. Alors, on va réaliser ça. Et ce sera nécessaire pour votre nouvelle mission. Une mission relativement importante. Et vous allez peut-être vous demander pourquoi on vous assigne cette mission à vous, alors que vous êtes une jeune recrue par rapport à d'autres éléments du service. Et sans rien vous mentir, hein, la seule raison pour laquelle on le fait, c'est qu'on a personne d'autre. En ce moment, on a beaucoup d'affaires en cours. Et ça vous donnera un peu d'exposition, d'expérience par rapport à des missions qui sont un peu plus en jeu. Bien évidemment, je n'ai pas le droit de tout vous raconter, mais en revanche, j'ai le droit de vous raconter un certain nombre de choses. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire votre petite formation de vente. J'ai connu l'idée, l'endroit parfait pour ça. Et vous revenez dans une semaine et on commence. D'accord? Très bien. Parfait. Allez voir Catherine. Elle va vous donner toutes les informations de votre formation, puis vous y allez tout de suite. Très bien. Ben, merci beaucoup, lieutenant. À dans une semaine. À dans une semaine. Donc, tu ressors. Et là, tu vois Catherine... qui te regarde et tu penses qu'elle va pouffer de rire. Vas-y, lâche-toi, Catherine. Donc, clairement, elle savait ce qui allait se passer et elle savait à quoi s'attendre. Donc, tu vois qu'elle te tend un badge où il y a un M jaune dessus. Qui vendent des bons sandwichs, un bon restaurant français. Exactement. Exactement, celui-là même. Et elle te dit, bah, écoute, ton shift commence dans 1 heure. C'est Porte de Clichy. Donc, mais si je ne me trompe pas, la Porte de Clichy, c'est pas loin de Levallois-Perret. Si tu le dis. Donc je vais te faire confiance. Tu as rendez-vous dans 1 heure. Tu commences ton shift dans 1 heure pour apprendre les ficelles de la vente comme préposé à la vente dans cette grande chaîne de restaurants, de restauration rapide... extrêmement très fréquenté. Et donc tu y vas. Et on te donne ton uniforme, on te donne, tu sais, tes trucs que tu dois mettre sur les cheveux. Et tu commences à faire une formation de vente qui est la vente en restauration rapide. Et tu vois que la personne qui te forme te dit à demi-mot ou te fait comprendre à demi-mot qu'elle aussi, elle a l'air d'être connectée d'une façon ou d'une autre avec la police ou avec. Même si elle te le dit pas clairement. Tu dois pas être le seul à être venu là. Disons. D'accord. Donc tu passes une semaine à vendre des sandwichs à des clients pressés, à des clients qui sont pas forcément contents, à des familles, à des enfants qui foutent le bordel ou qui balancent du ketchup partout, à des adultes qui crachent sur les chaises ou qui collent des chewing-gums sous les tables. C'est une expérience, disons. Et tu te demandes beaucoup pourquoi tu es là, en fait. Mais, je veux dire, en deçà de ces désagréments multiples, la personne qui te forme... D'ailleurs, donne-moi un nom pour cette personne-là qui te forme. Paul. Paul,
Donc Paul, la personne qui te forme, t'assène, enfin, je sais même plus de l'enseignement, là, c'est de la, c'est, il t'assène des rudiments de vente, de commerce, parce que ben, vous avez qu'une semaine, hein, et donc tu fais des shifts 8 heures par jour. En plus, c'était dans le moment le plus occupé, il t'a mis dans le moment le plus occupé pour que tu aies le plus d'exposition avec les clients. Donc t'en chies, et tous les soirs tu rentres, tu sens cette odeur qui a bien imprégné ta peau, tes cheveux, tous tes habits, etc., etc. Donc, et que ça commence à imprégner ton canapé, ton appartement, tes rideaux. Vraiment, comment tu te sens par rapport à ça? Parce que clairement, t'as pas signé pour ce type de choses, mais comment tu le gères émotionnellement? Bah déjà, j'avais précisé à Catherine que j'avais pas vraiment signé pour de la vente les premiers jours, quoi. Donc après, je vais faire ma mission en étant concentré, quoi. Je sais pas, non, je suis appliqué. Je dirais que c'est le début, c'est quand même, ça va à peine faire 2 mois, c'est quand même, tu veux faire bonne impression. J'ai quand même, si j'ai demandé ma mutation à DGSI après la partie des douanes, c'est que j'ai une certaine motivation. Donc j'aurais tendance à dire que je fais ce que j'ai à faire, quoi. Je fais pas de cas particulier et je fais ce que j'ai à faire, quoi. En mon fort intérieur, c'est qu'une semaine, tu peux tenir, c'est rien, quoi. Ok. Et c'est avec cet adage de résolution. Et effectivement, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est qu'une semaine, hein, puisque tu reçois un message à la fin de la semaine en disant qu'il faut que tu te présentes lundi au bureau, quand même. Je me dis juste que pourvu que la nouvelle mission soit sympa, chez McDo ou Quick. Je dis si ça pouvait être chez La Criée, ça m'arrangerait. La Criée étant une chaîne de trucs plutôt produits de la mer, quoi. Ah, ok, d'accord. Donc c'est le McDo des fish and chips. Okay. C'est ça, exactement. Ok, mais je connais pas. Ok, super. Donc, bon. Mine de rien, t'as appris. T'as appris un peu, t'as appris la relation client, t'as appris une fois de plus. Paul qui était. Ouais, une mentor. Semaine, c'est quand même un peu léger, quoi. Mais bon. Mais une fois de plus, il te l'a asséné. Donc ça a été. Pour assembler des burgers, donner aux gens avec le sourire, leur rendre la monnaie, les aiguiller, et voilà, ça va, quoi. Toi qui es un gars relativement malin, quand même, tu penses pas que le but de cette formation, c'est d'apprendre à faire des burgers? Clairement pas. C'était pas. Non, j'ai. Et tu penses qu'il doit y avoir autre chose qui t'ont appris, qui voulaient t'apprendre? Plutôt que c'était pas lié à l'activité en tant que telle. Mais tu le sais pas. Et donc tu arrives le lundi matin, et tu vois que, alors que tu rentres au bureau lundi matin, t'as Jules qui t'appelle, donc ton collègue Jules Talon, qui te dit « Hey Arthur, tu m'aurais pas ramené un sandwich pour avoir ?» Et là, tout le bureau explose de rire. Tout le bureau, excepté une personne. Tout simplement parce que c'est pas le style à rigoler. C'est Dominique, je pense qu'il s'appelle comme ça. Je vais te le dire. Non, ah oui, le consultant. Philippe Ducamp, le consultant, qui, qui sachant ta dernière pseudo-mission, te regarde avec un air encore plus méprisant qu'avant. Donc lui, ça le fait pas marrer, mais en plus... Clairement, il te capte pas, quoi. Par contre, ouais, vu mon passif ou mon background, c'est par rapport à ce fait quand même d'échanger autre, je suis quand même pas. Je suis pas quelqu'un d'hyper extraverti, mais je suis pas non plus introverti, quoi. Ça me paraît très plausible d'avoir peut-être des coupons dans les poches qui restent, que j'ai pas vidé de mon sac, ouais. Quoi. T'sais, des coupons d'action, j'ai dit. Donc, et là, de faire une répartie en disant, comme je sais pas ce que t'aurais pris comme grand royal autre, j'ai des coupons pour toi, par contre, tu pourras faire bénéficier le service. Tu nous fais une tournée, bien sûr. Et là, tu vois que, donc, Jules rit de bon cœur. Jules, c'est probablement un des collègues. Oui, je le taquine, c'est pas méchant, c'est fait, ouais, c'est un truc, ouais. Et il y en a un qui dit, non, envoie-les-moi les coupons, envoie-les-moi, je vais les utiliser, ma fille, elle adore aller manger là-bas. Ouais. Et donc, c'est sous les sourires bien affichés sur l'ensemble des gens dans la pièce, que tu rentres donc, pour la deuxième fois en une semaine, dans le bureau du lieutenant, qui te...
qui te regarde et sans aucun air de malice, il dit « Alors, cette semaine de formation, ça a été utile, j'espère. Ben, » Nous allons voir, hein. C'est très intéressant. Donc, vous avez appris maintenant, ça y est, les métiers de la vente ? Ah oui, certainement. La petite dame qui sait pas ce qu'elle veut parce qu'elle connaît rien des noms de la carte et le petit jeune qui est pas content que la cuisson du truc, elle va pas, tout à fait. Très bien, je gère. Très bien, très bien. On dirait qu'il t'a même pas entendu quand t'as répondu ça. Asseyez-vous maintenant. Ben, je pense. Nous avons une nouvelle affaire et c'est en relation en fait avec une des enquêtes que vous avez effectuées il y a quelques mois. Vous vous souvenez de la société Flex Inc. ? Je fais semblant de chercher un peu alors que je sais très bien de quelle société il parle. Laissez-moi voir. Oui, je crois, oui. On n'avait pas le droit, j'avais pas le droit de m'y approcher à 15 km. Tout selon à fait. Vos mots. Tout à fait. Et vous avez respecté, ce qui est très bien. Vous commencez à Flex Inc. mercredi. Donc là, c'est lundi matin. Comme assistant de vente. Ouais. Asseyez-vous et on va discuter de la mission. Donc tu t'assois et tu vois qu'il te tend un dossier et tu ouvres le dossier et sur la couverture du dossier agrafé en épinglé, la couverture à l'intérieur du dossier épinglé, tu vois la photo d'un homme et tu vois que la première page en fait du dossier, c'est un profil d'une personne. Donc la personne s'appelle Sylvain Pleticu. Et il est directeur des ventes à Flex Inc. Ok. Et tu vois, en fait, Tu peux me redonner son nom, s'il te plaît ? Sylvain, quoi, t'as dit ? Pleticu. Ok. Et donc, tu vois, il y a une sorte d'enquête qui a été faite, mais elle est beaucoup plus complète que celle que toi, tu as faite sur l'enquête d'entourage. Mais pour te donner grande ligne, donc Sylvain Pleticu est directeur des ventes à Flex Inc. depuis 2 ans. En fait, depuis que les patrons ou les fondateurs de Flex Inc., donc Vincent Soprano et Vanessa Skywalker, ont eu les 2 millions d'euros d'investissement et qu'ils ont quitté l'incubateur pour aller s'installer donc toujours dans la zone industrielle Tourcoing Nord, donc toujours à Lille. Donc la même compagnie où Marie Larue, la personne sur laquelle tu as fait l'enquête d'entourage, ta première enquête d'entourage, travaille, d'accord ? Il est français, né à Rouen, mais de père britannique. Il a vécu en France, en Angleterre, en Australie, puis ensuite aux États-Unis. Il a décroché un MBA à Harvard, et ensuite s'est fait embaucher comme sales manager dans une compagnie qui est Dow DuPont. Dans le Michigan. Donc, Dow DuPont, c'est une des plus grandes compagnies de chimie américaine. Il était embauché pour faire quoi là-bas ? Eh bien, il a été embauché à la base comme étant sales manager, donc gestionnaire de vente. Et en quelques années, très rapidement, il est devenu assistant au vice-président des ventes. Il y a à peu près 5 ans, il a quitté et il a déménagé en France. Et il a joint un grand groupe français qui est LMVH, donc grand groupe de luxe français, à qui appartient par exemple la marque Louis Vuitton, où il a été aussi directeur des ventes. Et il a donc ça c'est il y a 5 ans, et ensuite il y a 2 ans il a quitté, il a rejoint la société Flex Inc. à Tourcoing. Ses hobbies, les voitures, les voyages, principalement, plus aucune famille. Immédiate, donc parents décédés, aucun frère et sœur, pas de fréquentation ou de partenaire régulier, sort beaucoup et a démontré un comportement bisexuel. Il y a une petite note en dessous, suspicion de multiples voyages en Afrique pour faire de la chasse d'animaux larges en danger, donc éléphants, etc., etc. Donc quelque chose de totalement illégal. Et lieu de résidence actuel, quartier de Beaumont à Croix. Donc Croix, c'est une municipalité à côté de Lille. Donc tu prends quelques minutes pour lire rapidement ce dossier. Et une fois que le lieutenant Baguette remarque que tu as fini de lire ces informations, il te dit « Voici la mission. Nous suspectons que ce Sylvain Pleticu essaye de
vendre la propriété intellectuelle de la société Flexink sur les nouveaux produits qui sortent à un négociateur, donc un broker de vente. Et bien évidemment, notre mission est de protéger, protéger la société, puisque Flexink fait partie des entreprises à grande innovation en France. En revanche, en accord avec d'autres services du gouvernement, donc là, tu comprends très vite que ce sont d'autres services du renseignement dans le gouvernement français, tu sais pas lesquels, il le cite pas, mais nous avons décidé de ne pas interrompre ces activités, mais au contraire de faire en sorte de pouvoir le suivre et de voir à qui il vend pour pouvoir remonter la filière et savoir à qui profite cette vente illégale de haute technologie. Votre mission, à partir de... Donc vous allez déménager à Lille, le bureau des légendes vous a créé une nouvelle identité, une identité temporaire bien évidemment, mais qui a été élaborée, famille, état civil, papier d'identité, réseaux sociaux, appartements, etc., etc. Et vous allez commencer comme assistant de vente à Flexink pour travailler directement sous sa direction. Nous pensons que cet individu va profiter d'un événement majeur de vente à Paris pour aller retrouver son contact et vendre les informations à ce moment-là. Votre but, bien évidemment, c'est s'assurer que vous l'accompagnez. Et le reste de la mission vous sera détaillé bien plus tard. Votre nouvelle identité, Gilbert Marteau, donc même âge que toi. Donc je sais, quel âge il a, Arthur, tu me dis? On n'avait pas défini, tu m'as dit qu'il devait être assez jeune. Et, ouais. Et donc, vu qu'il a fait normalement un BTS en transport... en transport et logistique. Ensuite, il s'est fait embaucher dans sa boîte. Il a monté le dossier pour faire arrêter sa boîte parce qu'il faisait de la fraude. Il est rentré dans le service, je sais plus, en tête des douanes. Et ensuite, il est arrivé à DGSI. Donc, j'en sais rien. Ça fait quoi, ça? Ça fait du 18, 20, non, un peu plus, 22, 22, 23, 22, 26. 24, ouais, 26. Ouais. Allez, on va dire 26. Ok. Donc, Gérard Marteau, 26 ans, résident à Roubaix. T'as dit Gilbert Marteau tout à l'heure. Excuse-moi, Gilbert Marteau. Merci. Donc 26 ans vivant à Roubaix, a travaillé pendant 2 ans comme assistant de vente puis assistant manager dans une chaîne de restauration rapide. Vient de juste de finir l'IESEG, qui est l'école de commerce à Lille, l'école de commerce la plus fameuse à Lille, et est en formation dans le cadre de sa dernière année finissante. Et a été embauché par Flexink. Pendant les quelques prochaines semaines, les 3 prochaines semaines spécifiquement, votre but est de vous rapprocher de cet individu, bien évidemment sans éveiller les soupçons, et surtout de ne pas intervenir dans ses activités, même si elles sont illégales. La clé est que si nos informations sont correctes et si cet individu va utiliser ce show à Paris pour vendre ces informations, il faut que vous soyez à ses côtés. Est-ce que vous avez des questions? Non, je présume que j'aurai dans mon briefing les éléments qui vont m'accompagner. Est-ce que comme équipement, les voitures, l'appareil photo, ce que j'ai besoin comme matériel ou autre, je présume que tout ça c'est bon. Si on m'a monté, dans mon dossier aussi, on m'a monté, vu que je suis censé être à cette école de commerce et que je suis en stage, c'est que je dois faire partie de la promotion, donc avoir des informations sur les différents étudiants que je suis censé connaître, en espérant qu'ils ne seront pas interrogés. Donc non, je vais sur place comme assistant de cette personne-là, c'est mon stage de dernière année. Tout faire pour être avec lui à l'événement de Paris, ne pas intervenir, mais collecter toutes les données que je pourrais. Non, vous n'avez pas besoin de collecter les données. Juste vous rapprocher de lui et vous assurer qu'il vous en a. D'accord. Ah ok, juste me rapprocher de lui pour être sûr d'être à l'événement de Paris. Ok. Voilà, tout à fait. Faites en sorte qu'il ne vous soupçonne pas. Ok. Donc vous allez aller au bureau des légendes, qui est à Paris. Donc c'est un endroit secret où Catherine vous donnera l'adresse. Vous allez récupérer vos informations et puis ensuite, direction le train,
17h50 pour Lille. Et puis ensuite, vous verrez sur place, vous aurez un contact sur place qui vous attendra à l'appartement directement, à votre nouvel appartement directement. Allez, bonne chance et on compte sur vous, ok? Tout à fait, lieutenant. Merci pour cette preuve de confiance. Je fais un salut. Pas de problème, allez-y. Et donc tu ressors. Dans quel état tu penses que qu'Arthur est en ressortant de ce bureau après une demi-heure de briefing à peu près? Ça n'a pas été si long que ça, quoi. Très fébrile, parce que son domaine, c'est plutôt quand même la paperasse et monter des dossiers quand même, tout cela. Donc le terrain, il savait que c'était c'est pas un truc qu'il c'est peut-être qu'il a il a voulu tenter en intégrant la DGSI, le service des opérations, mais c'est pas voilà, c'est pas forcément son cœur. Mais en même temps, c'est ce qu'il aimait dans la jeunesse, ces échanges-là, sociaux et tout. Donc voilà, il est fébrile parce que d'un côté, il se dit bah peut-être ça y est, c'est entre guillemets sa chance, c'est enfin le truc. Et en même temps, ah ouais, mais je vais être sur un terrain d'opération et tout quoi. Et là, je dois me rapprocher de quelqu'un et pour arriver quelque part, voilà quoi, tu vois. Donc entre les deux, entre un petit peu transpirant parce qu'il est à la fois excité et stressé parce que c'est ça y est quoi, c'est là quoi. C'est il est en haut du grand 8 et le grand 8 va descendre quoi. Exactement. Donc alors que tu sors du bureau, tu vois que donc Catherine t'attend, clairement il faut que tu ailles la voir. Puis elle te donne une adresse où aller à Paris pour te rendre donc au fameux bureau des légendes. Alors tout le monde a entendu parler du bureau des légendes. Officiellement le bureau des légendes est un service de la DGSE, donc c'est très important. Et alors, ce qui est marrant, maintenant c'est un service commun de la DGSE et de la DGSI, mais originellement c'était un service de la DGSE, puisque c'est là où toutes les fausses identités sont créées. Tout ce qui est. Mais alors, en fonction de la mission, etc., les fausses identités peuvent être extrêmement poussées, quasiment indétectables, bien évidemment. Mais c'est là. Et donc tu as une adresse et donc Catherine te donne des instructions pour aller à cette adresse donc il y aura quelqu'un qui te recevra et qui te donnera toutes les informations sur sur ta nouvelle identité. Est-ce que tu fais quelque chose? Tu y vas tout de suite? J'ai pas pensé dans le briefing, il y a marqué sous combien de temps il pense que le... 3 semaines. L'événement c'est dans 3 semaines. Ouais. Je réfléchis si j'ai des obligations familiales ou autres que je devrais gérer ou si j'ai un truc parce que si je dois plus donner, je dois partir ou autre. Mais je pense pas que j'ai des trucs particuliers. De toute façon, ma famille sait que je travaille pour fonctionnaire d'État ou autre, et donc je peux être amené en déplacement, donc c'est pas forcément gênant. Est-ce que tu as un char? Non, j'ai pas de trucs comme ça. Mmh. Donc je prépare mes affaires et j'y vais direct, quoi. Très motivé, quoi. Ok, donc tu vas au bureau des légendes. Et donc tu vas dans ce bâtiment à Paris, un bâtiment qui est pas du tout, qui ressemble pas à un bâtiment du gouvernement, qui ressemble pas à un bâtiment, ça pourrait être un building comme chez ton voisin en gros. Mm-hmm. Et tu sonnes au numéro 17, qui est l'information que tu as, et tu as bien précisé, il faut que tu sonnes 3 fois de manière rapide, etc. Donc tu fais le code. Et puis tu vois que la porte se s'ouvre, tu sais, ça fait bzzz, et tu vois la porte à gâche électromagnétique s'ouvre, et tu rentres, tu arrives au niveau de la porte du 17, tu tapes. Donc en fait, t'as l'air d'être dans un bâtiment d'habitation. T'as pas l'air d'être dans un bureau, t'as l'air d'être dans un bâtiment d'habitation, comme si t'allais de l'appartement d'un de tes amis. Et alors que tu tapes à la porte, tu vois qu'il y a un homme qui t'ouvre, qui doit être encore plus jeune que toi. Alors imagine, tu fais quand même relativement jeune. Lui, il a l'air encore plus jeune, mais il a des lunettes. Et il a un t-shirt, tu sais, style t-shirt de jeu vidéo. Mais il a l'air d'avoir quand même pas mal d'aisance et dit « Ah rentrez, je t'attendais. » De l'espionnage industriel? Ouh, c'est du gros. Est-ce qu'Arthur sera à la hauteur? Vous le saurez dans le prochain épisode. Si vous n'avez pas encore écouté le début de la saison, nous vous conseillons de le faire pour vous donner un peu plus de contexte sur notre jeu Spy Game et le personnage d'Arthur Daigneau. Elle est disponible, comme les saisons précédentes, sur notre site web, @unduorolist, sur notre chaîne YouTube, et bien sûr, Apple, Spotify, Google, et toute autre plateforme où vous trouvez vos podcasts.
On se retrouve donc dans 2 semaines, et comme on vous le dit à chaque fois, faites du jeu de rôle et amusez-vous bien.